Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aldo Moro est vivant. La plupart des Italiens qui viennent ici se recueillir ou déposer une gerbe sur les lieux de l'endroit où il a été enlevé il y a tout juste 5 semaines. La plupart des Italiens en sont donc persuadés. Persuadés depuis hier soir, ce journal, Il Messaggero, a publié en édition pleine page un portrait d'un Aldo Moro presque souriant. Et tout le monde est persuadé chez les enquêteurs que la photo est authentique, que le communiqué des Brigades Rouges également. Alors donc, Aldo Moro serait vivant, mais peut-être n'est-ce qu'un nouveau sursis qui expirerait en même temps que le délai fixé par les Brigades Rouges pour un éventuel échange demain 15h. Et tout cela justifie que nous consacrions d'ici là la première partie de ce journal et puis demain l'édition de la mi-journée, samedi et demi, à essayer de comprendre le drame italien. Qu'est-ce qui arrive à ce peuple qui, à bien des égards, nous est si proche? Et je dirais même, essayer de le comprendre avec sympathie, car rien n'est plus faux que les schémas préfabriqués quand on parle de l'Italie. Qu'est-ce que cette décomposition de l'État, cette dilution des responsabilités, que sont ces Brigades Rouges qui, depuis 6 ans, font régner impunément ici la terreur? Songez plutôt que leurs effectifs ne dépassent pas le millier de militants et qu'il a suffi pour eux d'une dizaine d'enlèvements de personnalités, d'une vingtaine de victimes par attentat, dont 10 policiers, 6 militants d'extrême droite, 3 magistrats et un journaliste, pour que tout d'un coup l'Italie ait peur et pour qu'elle soit, comme on dit, déstabilisée. Alors tout cela, nous allons essayer de le comprendre. Et d'abord, comment travaille la police? Tout pourrait laisser penser ici en Italie que ce sont les Brigades Rouges qui ont le jeu bien en main. La péripétie des recherches du lac de la Duchesse démontre que même au-delà du raisonnable, les autorités sont prêtes à suivre n'importe quelle piste, quel que soit le lieu ou l'heure. Cela peut paraître pour certains un aveu d'impuissance. Pourtant, la police ne néglige aucune piste aussi incroyable soit-elle, mais parallèlement, le travail de fourmi continue. Il faut trouver l'aiguille dans la meule de foin, et pour cela, on ne lésine pas. Le matériel de communication le plus sophistiqué a été mis en place. En quelques secondes, une voiture de patrouille peut recevoir un message écrit ou la photo de suspect recherché sans avoir à repasser par le quartier général. Pour remonter la filière des Brigades Rouges, on dit ici en Italie que la police devra avoir de la chance. On fait sans doute allusion à la fuite d'eau qui a permis de découvrir l'appartement Arsenal de la Via Gradoli. Il faudra aussi de la méthode, la chance viendra, c'est possible, de l'accumulation d'informations par laquelle arrivera peut-être la solution. Il faut faire vite si l'on veut éviter que l'affaire Moro ne soit suivie d'une autre tout aussi délicate. Les Brigades Rouges n'ont pas caché leurs intentions, il convient de casser l'engrenage sous peine de mort au pluriel. Dans le bâtiment de la Questura, le quartier général de la police, dont la salle opérationnelle ressemble à une clinique, les policiers informaticiens qui travaillent 24 heures sur 24 reçoivent et transmettent inlassablement les informations. Ils peuvent à tout moment être questionnés à distance. On sait que le moindre détail placé dans un contexte particulier peut prendre une importance considérable. Il ne faut que quelques secondes pour connaître le passé d'un suspect. Nous avons fait l'essai avec Renato Curcio, le cerveau des Brigades Rouges. Il suffit de taper le nom de l'intéressé et attendre. Renato Curcio est né le 23-9-41. Association de malfaiteurs le 25-5-72, même date, trouble l'ordre public. Association de malfaiteurs le 22-11-72. Hold-up le 18-5-75. Séquestration de personnes le 12-2-74. Et trouvé porteur d'armes le 25-5-72. Même chose le 22-11-72. C'est un homme dangereux, c'est signalé le 21-6-74. Trouble l'ordre public le 24-5-75. Son surnom est René. Dans cette phase de l'enquête, la parole est maintenant au savant qui étudie les documents et la machine à écrire découverte via Gradoli. Mais ce qui semble très important, c'est la découverte des explosifs et des armes.
Les experts ont 7 jours devant eux pour apporter leurs conclusions. C'est la première fois depuis le début de l'affaire Aldo Moro que les policiers détiennent autant de pièces à conviction. Et ces pièces à conviction, ce sont essentiellement des armes. Et on sait parfaitement, ici, dans les locaux de la police, chez les experts, que ces armes parlent. On peut déterminer la provenance, on sait parfaitement à qui elles ont été vendues, ou même si elles ont été volées. Après les expériences, nous en saurons certainement beaucoup plus sur les agissements et les ramifications des Brigades Rouges. On a souvent parlé de collusion entre les Brigades Rouges et la bande à Bader. On a laissé entendre qu'il existait peut-être une internationale terroriste. Les armes saisies apporteront sans doute des indications intéressantes à ce sujet. Ce qui explique le secret absolu ordonné par le juge d'instruction. Les laboratoires sont gardés secrets, ainsi que le nom des experts. On sait déjà que certaines balles calibre 9 mm proviennent de la même série que celles qui ont tué les gardes du corps d'Aldo Moro. Ce renseignement est le premier d'une liste qui pourra bien être longue. Voilà, j'ai tout juste eu le temps de remonter dans les studios de la RAI et je pense que vous l'avez perçu au travers de ce reportage de Philippe Gassot, la police italienne commence à être contestée ici. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de coordination entre les différents services, services secrets, policiers, carabiniers, et puis l'armée. L'armée qui pour la première fois participe au maintien de l'ordre, c'est assez dire que l'Italie a déclaré la guerre aux terroristes. Alors voilà le point de l'enquête à 20h de l'ultimatum fixé par les terroristes. Alors, voyons maintenant, Victor, vraiment les implications politiques. Oui ou non, le pouvoir va-t-il céder au chantage? Alors évidemment, tout le monde attend une prise de position officielle de la démocratie chrétienne, mais voyez-vous, je ne pense pas que la démocratie chrétienne va dire oui ou non à une négociation avec les terroristes. La position est assez floue pour l'instant. C'est assez flou, non, il y a différents risques. C'est-à-dire, si la démocratie chrétienne dit non aux terroristes, ça risque de braquer les Brigades Rouges et ça compromet d'autant la vie d'Aldo Moro. Mais si, d'un autre côté, la démocratie chrétienne accepte de négocier, il va y avoir évidemment des remous dans l'opinion publique parce que d'après un sondage que j'ai sous les yeux, 76,7% des Italiens sont tout à fait contraires à toute forme de négociation avec les Brigades Rouges. Alors les communistes maintenant, les communistes eux sont très fermes là-dessus, pas question de négocier. Ils sont beaucoup plus fermes parce que ce n'est pas leur président qui se trouve entre les mains des terroristes. Position très ferme effectivement, mais il y a aussi une autre donnée, c'est que tout ne dépend pas de la démocratie chrétienne. Et oui, il y a d'autres clés que le pouvoir. Il y a la magistrature. On peut imaginer que la cour d'assises de Turin, qui est en train de juger Renato Curcio et ses camarades, membres des Brigades Rouges, on peut imaginer que la cour d'assises ordonne la liberté provisoire des terroristes. Mais dans ce cas-là, il y a le procureur général de Turin qui dit non et qui pourvoit en cour de cassation. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans le cas de Mario Sossi, un juge qui avait été enlevé. Et là aussi, le tribunal avait ordonné la mise en liberté provisoire des terroristes, mais la Cour de cassation avait cassé le jugement de la Cour d'assises. Oui, il faut rappeler que c'est à Turin, effectivement, que sont toujours emprisonnés les Brigades Rouges et derrière leur chef, Renato Curcio. Alors, qui sont ces terroristes qui, apparemment, ont trouvé en Italie un bouillon de culture dans lequel ils se déplacent un petit peu comme des poissons dans l'eau? Eh bien, la réponse, nous sommes allés la chercher auprès de l'un de nos confrères italiens, car vous savez qu'ici, les journaux ont des rédacteurs spécialisés qui ne s'occupent que des Brigades Rouges. C'est par exemple le cas de Mario Sciola, qui est journaliste à l'Expresso. Nous l'écoutons. Interrogé par Philippe Gasson. Alors, ces Brigades Rouges ont en Italie des racines dans des réalités sociales très précises. Ce ne sont pas dommage que vous appeliez Philippe tous les deux. Comme certains phénomènes terroristes dans d'autres pays, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis. Les Brigades Rouges en Italie sont l'expression d'exigences et dans des couches sociales qui se reproduisent continuellement. Par exemple, évidemment, d'où viennent les Brigades Rouges? Ils viennent surtout du milieu ouvrier. On ne croyait pas il y a quelque temps que les Brigades Rouges étaient dans les usines. Si on écrivait ça, on se faisait dire que ce n'était pas vrai, qu'on était des provocateurs. Et maintenant, on a des brigadistes et on a découvert ce que
certains individus soutenaient depuis longtemps, certains observateurs et des commentateurs politiques de gauche disaient depuis longtemps que les brigades rouges existent dans les usines, sont des ouvriers et qui se cachent même avec dans la poche la TS, la, comment on dit, la carte du PCI et de temps en temps et très souvent la carte des syndicats. Voilà donc ce soir ce que nous pouvions dire à un moment où toute l'Italie retient son souffle. Il est évident que s'il se passe quelque chose de nouveau à tout moment, nous réintervenons dans le cadre de ce journal en direct de Rome. Et avec vous maintenant, Patrick Lecoq, le reste de l'actualité en France et ailleurs dans le monde a commencé, je suppose, par l'affaire de ce détournement de Boeing, ce nouveau détournement. Oui, Patrick Pavard-Arvor, un voyage bien surprenant en effet pour les 97 passagers et aussi les 13 membres d'équipage du Boeing 707 des lignes aériennes coréennes qui effectuait hier le trajet Paris-Séoul via Anchorage en Alaska. Selon Moscou, cet avion a en effet été intercepté hier soir par la chasse soviétique alors qu'il violait l'espace aérien russe. Il a été contraint, dit Moscou, de se poser à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou, un millier de kilomètres environ de la capitale soviétique, sur un lac gelé. Et alors c'est là qu'on ne comprend plus très bien ce qui s'est produit hier. Deux personnes, deux passagers ont en effet été tués, soit en vol, soit lors de l'atterrissage, et deux autres ont été blessés. Alors on se demande s'il n'y avait pas un pirate de l'air à bord du Boeing 707 coréen. En tout cas, selon Washington, l'armée de l'air soviétique n'a pas hésité à ouvrir le feu dans l'air contre ce Boeing des lignes aériennes civiles coréennes. Les vacances se terminent pour beaucoup de vacanciers. Le travail va reprendre dès lundi dans les écoles de la zone A. Ces vacances qui se terminent nous permettront de faire le point dans les prochains jours sur ce qui s'est passé durant cette dernière quinzaine en Bretagne. On saura alors si la marée noire et la pollution ont eu des répercussions sur le tourisme. Mais pour l'instant, les Bretons regardent plutôt vers le large. Ils se demandent si les décisions prises à Londres par l'Organisation maritime internationale vont être rapidement suivies d'effet. À Londres hier, on a parlé de catastrophes et des catastrophes causées par les pétroliers. Et on a décidé que désormais, les supertankers n'auraient plus le droit de naviguer à moins de 50 km d'Ouessant et à moins de 37 km des côtes du Cotentin. Une nouvelle réglementation, donc, Georges Leclerc, un nouveau système de circulation sur ce que l'on appelle le rail. Oui, exactement. Il y a deux zones très dangereuses, vous l'avez signalé, dans la Manche, pour les Français. C'est bien sûr au large du Ouessant, près de l'endroit où s'est échoué la Moco Cadiz. Là, les navires naviguaient à 10 km des côtes, tout près. Ils sont désormais rejetés à 50 km dans les rails, du moins les pétroliers et les autres navires portant des matières potentiellement polluantes, les déchets radioactifs ou le plomb tétraéthyle, dont vous vous souvenez de la catastrophe de 30 et du Brésil. Eh bien, l'autre zone, c'est un peu pareil. Vous avez le récif des Casquets ici, l'île d'Origny. C'est une zone potentiellement dangereuse puisque les pétroliers qui remontent la Manche sont pleins. Ils viennent du golfe Persique ou d'autres régions pétrolières et vont décharger en Europe. Donc là aussi, on a pris une décision. On a repoussé ce couloir à une trentaine, 35 km du cap de la Hague. Le couloir en plus est élargi. Il sera balisé par des très grosses bouées et les navires navigueront comme dans une autoroute. On appelle la Manche l'autoroute. Ici, ce sera vraiment vrai. Alors, cette décision, en principe, est applicable immédiatement, mais en pratique, il faudra du temps parce qu'il faut refaire les cartes, il faut instruire les équipages et il faut aussi établir les réglementations. L'Élysée tient à ce que ça soit fait le plus tôt possible, mais ce petit délai va quand même demander au moins 6 mois. Alors, les Bretons pensent que quand même, ça va les protéger puisque le fait de repousser le rail donne plus de temps d'intervention en cas de pépin, en cas d'avarie, comme la Moco Cadiz en a subi une. Merci Georges. Conséquence aussi de cette marée noire, le Conseil économique et social a proposé que soit nommé un monsieur catastrophe. Pour le Conseil économique et social, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur qui devrait occuper ce poste. Il pourrait être chargé d'assurer la coordination en matière de sécurité civile dans le cas d'inondations, de séismes, d'incendies, de naufrages ou de catastrophes en tout genre. En attendant cette éventuelle nomination, si le projet, bien sûr, est retenu par le gouvernement, c'est la Marine nationale qui est chargée tout au long des côtes françaises de faire la police, ce qui n'est pas simple. Il faut dire qu'en mer, une fois sortis des eaux territoriales, les marins sont libres pratiquement de faire ce qu'ils veulent. Et si, sur une route nationale, on peut arrêter un automobiliste qui roule un peu trop vite, il est presque impossible, en mer, de stopper un supertanker qui a décidé de ne pas s'arrêter. Vous allez le constater avec ce reportage de Jean-Louis Le Seine. Cherbourg, 8h le matin, le pacha du patrouilleur La Combattante est sur le pont. Dernière vérification, le navire peut quitter l'arsenal.
il ne rentrera au port que deux jours plus tard. La mission de la combattante, traquer les navires qui circulent en infraction dans la zone de séparation des eaux au large des Casquets, une zone interdite de 4 km sur 20 qui isole les voies du trafic, le rail descendant et le rail montant. C'est le centre de recherche opérationnel du Cap de la Hague qui centralise les informations données par radio. Mais pour tous les responsables, qu'ils appartiennent à l'armée ou à la marine marchande, les moyens sont encore loin d'être suffisants pour être totalement efficaces. Affirmatif, nous le surveillons. Passez également. Combattante de Transmanche de Bourg, je vous écoute. De la combattante, le contrevenant est un cargo danois qui s'appelle Hermod Jebel Hotel Echo Romeo Mike Oscar Delta. Il fait route à contresens dans le couloir sud. Pour prévenir le drame de l'Amoco Cadiz, évidemment, d'une part la couverture radar doit être terminée et d'autre part la présence de remorqueurs au point sensible de notre littoral. Remorqueurs qui pourraient être de la Marine nationale ou affrétés par la Marine nationale, par exemple. Finalement, vous n'avez pas les moyens actuellement de faire tout ce que vous voudriez faire. Pour le moment, les moyens, on ne les a pas, mais il est bien clair que des plans sont prévus de telle sorte que ce soit fait dans des délais plus que raisonnables. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je pense que Ouessant, si vous voulez, la station de Ouessant doit être mise en place très rapidement. On peut penser, mettez 6 mois à 1 an. Ici, au Casquet, c'est réalisé, et à Grinet, c'est réalisé aussi. Crossman de la combattante, je remonte le client, il me paraît à l'intérieur de la zone de séparation, pouvez-vous me le confirmer, parlez. Affirmatif, il est à l'intérieur de la zone de séparation. Bien reçu, je vais l'identifier. Stinis, this is la combattante, you do not comply with the traffic separation rules, over. This is French warship, la combattante, how do you read, over. Bâtiment de guerre français, la combattante. Pour contact, comment me recevez-vous? Parlez. Bon, alors là, la mauvaise volonté est patente. Par notre présence, nous avons un effet dissuasif. Nous relevons les contraventions au trafic. Et quand ces contraventions sont relevées, elles donnent lieu à un PV qui est transmis aux autorités concernées. Et finalement, ça sert à quoi? Alors, ça sert à faire rentrer dans les mœurs des commandants de bateaux qui passent par ici l'habitude d'emprunter les règles de circulation maritime qui ont été édictées par la France et par la Grande-Bretagne l'année dernière, qui sont devenues impératives l'année dernière, et qui assurent au trafic maritime une meilleure sécurité. Mais est-ce que ça a vraiment un effet à l'heure actuelle? Ça a un effet... dont il est encore difficile de mesurer l'importance, mais qui à la longue sera certainement très net, je pense. Un procès verbal pour chaque infraction se soldera par un rapport envoyé aux autorités du pays concerné. Il arrive que des sanctions soient prises, mais lorsque le navire bat pavillon de complaisance, force est de constater que c'est rarement le cas. Les compagnies préfèrent encore la ligne droite pour aller d'un port à un autre, au risque de provoquer une collision. Et puis la mentalité des marins n'a pas encore suffisamment évolué en fonction du trafic. Ils refusent souvent en eau internationale l'autorité d'autrui. Ils sont toujours maîtres à bord, après Dieu, bien entendu. La suite du débat au sein du Parti communiste français après les élections. Monsieur Guy Hermier, député communiste des Bouches-du-Rhône, évoque ce matin dans l'Humanité le formidable tapage fait autour du débat qui se déroule dans les rangs du Parti communiste français. Pour monsieur Guy Hermier, il s'agit toujours pour la droite d'affaiblir le PC afin de créer les conditions d'un éventuel recours au Parti socialiste. Des socialistes qui sont d'ailleurs appelés à réfléchir sans entrave par le rédacteur en chef de la revue du PS, FER, Patrick Vivray, estime qu'au moment où les militants du Parti communiste commencent à organiser un vaste débat sur les causes de l'échec, on comprendrait difficilement que le Parti socialiste évacue ou bâcle cette discussion. Lundi, le comité interministériel d'aménagement des structures industrielles va ouvrir le dossier Boussac. Aujourd'hui, à l'Assemblée, le ministre de l'Industrie, M. Giraud, qui répondait à une question du député des Vosges, M. Seguin, a rappelé les efforts importants consentis par l'État en faveur du groupe textile qui est actuellement très menacé. Pour M. Giraud, le gouvernement a pour préoccupation fondamentale de sauver un outil industriel valable, mais non de sauver telle industrie particulière ou bien telle structure juridique. Dans l'affaire Boussac,
On approche donc maintenant du dénouement, mais le rétablissement de la situation ne sera pas facile. Cheval appartenant à Marcel Boussac. Journal appartenant à Marcel Boussac. Maison de couture appartenant à Marcel Boussac. Marcel Boussac, 80 ans, c'était la plus grande fortune privée de France, l'Empire du Coton. Aujourd'hui, tout se défait. Il y a la concurrence étrangère, le vieillissement du matériel, une gestion à l'ancienne qui n'a pas su s'adapter aux lois nouvelles du marché. Résultat, des pertes et un endettement qui se creusent et les usines qui tombent une par une. En 10 ans, les cotonnières du Nord, les usines de Normandie, la moitié des établissements des Vosges, l'Empire du Coton est devenu une peau de chagrin. Pourtant, les tentatives de redressement ont été nombreuses. Le vieux Marcel Boussac a fini par laisser les rênes à son neveu Jean-Claude, qui continue à négocier d'acrobatiques échéances avec les banques et avec l'État. Depuis peu, il est assisté d'un expert en restructuration, l'ancien PDG de Manufrance, Jacques Petit. Côté emploi, les fermetures, les pré-retraites et les licenciements ont réduit le personnel à 11 500 salariés, dont 6 000 dans les Vosges qui attendent sans illusion. Nous avons nos sources de renseignements et nous sommes sûrs maintenant qu'il y a eu un plan qui a été élaboré avant les élections législatives. Et ce plan prévoit, il était suspendu bien sûr à cause des élections législatives, mais ce plan prévoit justement 2 500 suppressions d'emplois dans l'ensemble du groupe Boussac. Et surtout ici dans la région, dans le secteur des Vosges. Ici, en dehors de Boussac, les possibilités d'emploi sont dérisoires. La restructuration va tomber sur un personnel et des syndicats qui sont le dos au mur. Ce sera dur pour tout le monde. Pendant ce temps-là, près de Paris, les purs sang de Marcel Boussac ignorent que les 85 hectares de leur domaine sont hypothéqués jusqu'au dernier. Mais ce ne sont que des chevaux. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, a poursuivi aujourd'hui ses entretiens avec les syndicats. Il a reçu ce matin une délégation de la CFTC, puis cet après-midi une délégation de la FEN, la Fédération de l'Éducation Nationale. Ce matin donc, M. Jean Bornard, le secrétaire général de la CFTC, a insisté sur la nécessité d'éviter que la restructuration des entreprises ne se traduise justement par des licenciements anarchiques. Et il s'est montré exigeant sur les conditions permettant de relancer la politique contractuelle. Je veux dire qu'en ce qui concerne la politique contractuelle, qui est un autre point de l'entretien, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas à faire de reconversion sur ce terrain. Depuis les élections, nous restons farouchement partisans de cette politique contractuelle. Nous avons eu un débat assez serré avec le Premier ministre pour lui dire qu'en ce qui nous concerne, nous ne pouvions pas avoir simplement des salaires évoluant comme les prix, mais qu'il fallait lier l'évolution du pouvoir d'achat à l'expansion et aux résultats des entreprises. À 16h, M. André Henry, secrétaire général de la FEN, soumettait au Premier ministre 5 dossiers traitant des conditions de travail et de salaire dans la fonction publique. Mais c'est surtout de la formation des jeunes dont on a parlé. Nous sommes assurés qu'une discussion va s'instaurer sur le problème de l'insertion sociale professionnelle des jeunes. D'abord pour la suite du pacte de l'emploi, de manière à améliorer ce qui peut l'être, car tout est loin d'être parfait dans ce domaine, et qu'une négociation aura lieu également sur les problèmes de la formation initiale avec le ministre de l'Éducation nationale. Cette fois, l'engagement est pris pour voir comment le service public peut mieux répondre aux besoins de la nation et en même temps aux aspirations de la jeunesse. Le président du Gabon, M. Omar Bongo, était l'hôte à déjeuner ce midi de M. Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. Le président Bongo, peu après ce déjeuner, a reçu le ministre tchadien des Affaires étrangères qui est actuellement en visite dans notre pays. Le Tchad est en effet revenu à la une des préoccupations des autorités françaises. La situation au Tchad s'est sérieusement aggravée depuis quelques semaines. À l'Élysée, on a démenti hier l'envoi de renforts français vers N'Djamena, mais d'ores et déjà, plus de 500 soldats français se trouvent sur place pour instruire l'armée tchadienne. Depuis 12 ans, dans les oasis et les déserts du nord du Tchad, des rebelles, 5000 hommes environ, mènent une lutte armée contre le gouvernement central. Au début de cette année, les combats ont repris. Les rebelles du Frolina, armés par la Libye, ont occupé la préfecture de Fayal-Arjo, capturant ou tuant près de la moitié de l'infanterie tchadienne, dont l'armée comprend 11 000 hommes. Le 27 mars, un accord de cessez-le-feu est signé à Benghazi entre les deux camps, mais il n'est pas respecté. Dimanche dernier, le Frolina poursuit son offensive
et attaque la garnison de Salal. Deux instructeurs français sont tués. La France, qui était intervenue directement dans le conflit jusqu'en 1971, a retiré toutes ses troupes du Tchad, après la crise provoquée par l'affaire Clostre. En octobre 1975, le dernier contingent français quitte N'Djamena. De nouveaux accords, des accords de coopération, sont signés en 1976. Ils prévoient une aide importante en matériel militaire et la présence au Tchad d'instructeurs ou d'assistants militaires français qui, sous l'uniforme tchadien, n'ont en principe pas le droit de participer aux opérations de guerre ou de maintien de l'ordre. Il y aurait actuellement sur place 500 à 600 assistants militaires français à la demande du gouvernement tchadien. Il semble que des légionnaires auraient également été envoyés au Tchad. Information non confirmée à Paris, où l'on espère encore, comme à N'Djamena, la reprise des négociations. Enfin, le dollar a continué de monter sur les places étrangères, alors que l'or, lui, a reculé aujourd'hui. Raison de cette hausse de la monnaie américaine, la décision prise par le gouvernement de M. Jimmy Carter de vendre une partie des réserves d'or américaines. Quant au franc français, il a amélioré sa position aujourd'hui face aux devises fortes, c'est-à-dire face aux marques et aux francs suisses. Rapidement, avant de retrouver Patrick Poivre d'Arvor à Rome, les autres informations de cette journée, M. Helmut Schmidt, le chancelier fédéral ouest-allemand, recevra jeudi prochain le prix de la Fondation Louise Weiss. Ce prix lui sera remis dans la grande salle du Palais de l'Europe à Strasbourg. Mais M. Schmidt se préoccupe aussi de sport. On avait parlé il y a quelques jours d'une éventuelle intervention du chancelier ouest-allemand pour que le Kaiser Franz Beckenbauer fasse à nouveau partie de l'équipe nationale de football ouest-allemande. Une information qui a toutefois été démentie aujourd'hui. Si M. Schmidt a beaucoup de pouvoir en Allemagne, il n'a pas celui encore de choisir les joueurs du 11 national. Il laisse ce soin à un autre Helmut Schön, le sélectionneur d'Outre-Rhin. En France, en football toujours, nous connaissons maintenant le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Sochaux affrontera Nancy et Nice rencontrera Monaco. Match aller le 5 mai, match retour 4 jours plus tard le 9 mai. À Cannes, pas de tirage au sort, mais un vote du jury pour fixer le palmarès au prochain festival. Et on connaît d'ores et déjà les titres des films présentés par la France. Il y aura deux courts-métrages, Maladie de Paul Vecchiali et La traversée de l'Atlantique à la rame de Jean-François Laguioni. Et puis, il y aura deux longs-métrages, le dernier film de Claude Chabrol, Violette Nozière, et enfin le Molière d'Ariane Nouchkine, un film coproduit d'ailleurs par Antenne 2, et nous avions pu suivre il y a quelques mois quelques-unes des scènes de tournage de ce Molière. 300 figurants, 500 masques, 800 costumes, un budget d'1,5 milliard de centimes, la cartoucherie de Vincennes transformée en annexe d'Hollywood, un film qui durera 4 heures. Animé par une équipe qui fonctionne en partie en coopérative ouvrière, c'est vraiment une étrange superproduction. Les principaux acteurs du film, tous membres du Théâtre du Soleil, touchent le même salaire, participent à l'intendance, règlent les mouvements de foule. D'où cette atmosphère bon enfant, au désordre apparent, en fait parfaitement contrôlée. Bah, espérons qu'ils auront aussi à se partager la palme d'or du festival de Cannes. La météo pour demain, après une matinée fraîche et localement brumeuse dans le centre et le sud-ouest, le temps sera bien ensoleillé. Il y aura toutefois encore des nuages sur les Vosges, le Jura et les Alpes, quelques orages en Corse et sur l'extrême sud-est, et peut-être aussi quelques petites pluies fines près des côtes bretonnes. Les températures seront à la hausse. Voilà donc pour cette actualité telle que nous pouvions l'avoir ce soir à Paris. Patrick Poivre d'Arvor, à Rome, je suppose qu'il n'y a rien de neuf dans l'affaire Aldo Moro. Eh bien, rien de neuf en effet, Patrick Lecoq, sinon bien sûr j'aurais interrompu votre journal. Les 7 journalistes qui m'accompagnent ici, Michel Allal, Victor Vraiment, Philippe Gassot, Philippe Rochaud, Bernard Puisseau, Jean-François Renoux, Patrick Voix, sont tous sur les lieux du suspense, près des téléscripteurs ou près de nos confrères italiens de la RAI. Mais rien ne filtre pour l'instant, il va donc falloir attendre une nouvelle nuit de suspense pour savoir quel sera le résultat de l'ultimatum, le dernier ultimatum lancé par les Brigades Rouges qui, je vous le rappelle, expire demain, donc demain samedi à 15h. Alors à tout moment, évidemment, nous pouvons réintervenir, soit dans votre dernier journal, donc à 22h50, soit surtout à 12h30 demain, dans le cadre de notre émission Samedi et demi, puisqu'elle sera consacrée uniquement au drame italien et sera faite aussi en direct de Rome, comme ce soir. Avec Victor Vraiment, je recevrai un représentant de la démocratie chrétienne, un représentant du Parti communiste, du Parti radical, un sociologue, un metteur en scène de cinéma, qui tous, à l'aide de documents qui seront tournés par nos équipes, essaieront de nous faire comprendre un petit peu mieux ce drame italien, ce drame que vivent nos amis de l'autre côté des Alpes. Voilà, je pense que maintenant, je peux vous dire à tous une très bonne soirée, si possible à l'écoute d'Antenne 2. À demain donc.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Que s'est-il donc passé hier soir dans l'espace aérien soviétique? Alors qu'il est, et devant le peu d'informations fournies par Moscou, on continue de s'interroger sur les raisons qui ont amené l'avion de ligne régulier Paris-Séoul via Anchorage en Alaska à se poser sur un lac gelé à l'intérieur de l'Union soviétique. Ce que l'on sait ce soir, c'est que 2 passagers de l'appareil ont été tués et 13 autres blessés. Le Boeing 707 des lignes aériennes coréennes transportait au total 97 passagers et 13 membres d'équipage. Ce que l'on sait aussi, c'est que le pilote n'a pas posé volontairement son appareil. Il y a été obligé par des chasseurs à réaction soviétiques, chasseurs qui auraient même ouvert le feu alors que l'appareil civil survolait la région de Mourmansk. Selon les informations fournies aux États-Unis par l'Union soviétique, l'avion avait demandé à atterrir en URSS après avoir pénétré dans l'espace aérien russe. Mais selon Moscou, son approche aurait eu un caractère agressif et en conséquence, l'aviation soviétique aurait tiré et l'atterrissage ne se serait pas déroulé dans des conditions normales. La compagnie aérienne coréenne conteste ce soir les déclarations soviétiques. Pour elle, il n'est pas pensable que l'appareil et que l'équipage se soient trompés aussi grossièrement alors que le vol s'était déroulé parfaitement jusqu'en Norvège. On en saura probablement plus lorsque les passagers seront de retour en Occident. 5 Français étaient à bord de cet avion coréen. L'attente continue en Italie. Ce matin, la famille de M. Aldo Moro a lancé un appel pressant à la démocratie chrétienne et au gouvernement italien pour que soit sauvée la vie du président du principal parti politique italien. L'attente se poursuit. L'ultimatum fixé par les Brigades Rouges pour ouvrir des négociations devant aboutir à la libération des terroristes emprisonnés à Turin expire demain en début d'après-midi. Les démocrates chrétiens ne pourront rien faire. Depuis un mois, les autorités italiennes réaffirment jour après jour leur volonté de ne pas traiter avec les ravisseurs de M. Aldo Moro. Alors un peu partout, on envisage des solutions. C'est ainsi que le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. André Young, a convoqué aujourd'hui les membres de ce conseil pour des consultations sur un sujet humanitaire. Le Conseil de sécurité pourrait lancer un appel unanime et de portée mondiale en faveur de la libération de M. Aldo Moro. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, a poursuivi aujourd'hui ses consultations avec les principaux dirigeants syndicaux français. Ce matin, M. Raymond Barre a reçu le secrétaire général de la CFTC. On a parlé restructuration industrielle, évolution des salaires et aussi politique contractuelle. Et puis cet après-midi, le Premier ministre a reçu durant 1h30 les dirigeants de la Fédération de l'Éducation nationale. C'est avec 5 dossiers sous le bras que M. André Henry, secrétaire général de la Fédération de l'Éducation nationale, abordait cet entretien avec le Premier ministre. Thème de ces dossiers, le problème des maîtres auxiliaires, la situation du service social et de la santé scolaire, la formation et l'emploi des jeunes, ainsi, bien sûr, que les salaires dans la fonction publique. À l'issue de cet entretien, M. André Henry se déclarait particulièrement satisfait par le dialogue établi et il confirma la prochaine ouverture des négociations. Nous avons parlé des négociations salariales dans la fonction publique. Elles s'ouvriront en mai. Il est à peu près sûr qu'une progression de pouvoir d'achat pourra être envisagée pour les plus basses rémunérations. Aucun engagement du Premier ministre n'a été pris sur les autres sujets, mais il nous est apparu très sensible sur les problèmes de la grille, de la refonte de la grille, et nous avons quelque espoir aussi de ce côté. Grande soirée sportive. Il y avait du football ce soir, mais aussi de la boxe et du basket. La boxe était à Toulon, le championnat de France des poids welter. Louis Acariès, le tenant du titre, mettait son titre en jeu justement contre Alain Ruocco. Nous attendons le résultat de ce combat de boxe. Nous l'aurons peut-être avant la fin de cette édition. Il y avait du basket aussi avec un match au sommet. Villeurbanne-Le Mans au sommet, mais qui comptait, si j'ose dire, pour du beurre, puisque tout est réglé dans le championnat de France de basket. Et Villeurbanne l'a emporté 96-84, donc devant Le Mans. Et puis enfin, Thierry Roland, il y avait du football. Oui, c'était la 35e journée du championnat de première division, plus que 3 journées donc avant la fin de ce championnat. Et le suspense continue, du moins en tête du classement, puisque les 4 premiers, Monaco, Nantes, Strasbourg et Marseille, ont tous les 4 gagné en marquant pas mal de buts. Du reste, il y a eu beaucoup de buts de marqués en cette soirée. 36 pour les 10 matchs de première division.
Je vous propose de regarder donc ces résultats. Donc Monaco a battu Saint-Étienne à Monaco par 3-1. But de Rouquette, de François et de Onis pour Monaco. But du jeune Rousset pour Saint-Étienne. Victoire de Nantes à Valenciennes. But de Pécou et du jeune ailier gauche Junior Agnol qui effectuait ses débuts dans l'équipe de Nantes. En ce qui concerne Strasbourg, c'est Marx, Gemrich et Specht qui ont marqué les 3 buts strasbourgeois. Et en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, Boubacar a réussi 3 buts et Berdol 1 but. Voilà pour les équipes de tête. En ce qui concerne la queue du classement, on peut dire que Reims a fait un pas important vers son salut aujourd'hui. Rien n'est réglé, mais enfin, les Rémois respirent un peu mieux ce soir grâce aux 5 buts qu'ils ont passés à 3. Lens, malheureusement, a perdu à Paris contre le Paris Saint-Germain. Je vois mal comment Lens pourrait éviter maintenant la descente en deuxième division qu'il aurait cru lorsqu'en début de saison, les Lensois disputaient avec brio la Coupe d'Europe. Mais c'est ainsi, il y a des renversements et des bouleversements dans une saison de football. Voyons comment les Lensois ont perdu. Le premier but allait venir grâce à une action extrêmement tranchante du demi-parisien Adams qui allait surprendre toute la défense de Lens. Il traversait le rideau lensois, se présentait seul devant Leclerc et dans un angle pourtant fermé. Et malgré le retour de 2 défenseurs, marquait le premier but à la 56e minute de la partie, d'une partie qui n'avait guère été passionnante jusque-là. Les Lensois allaient accuser le coup et sur ce corner tiré par le jeune Brisson, Mpelé de la tête sautait plus haut que tout le monde et marquait le deuxième but à la 72e minute. Dès lors, c'en était presque fait des chances de Lens. Lens qui allait pourtant repartir avec beaucoup de courage à l'assaut du but défendu par Bernard et obtenir à 13 minutes de la fin un but qui lui redonnait espoir pour une petite dizaine de minutes sur un premier tir de Leclerc que nous allons voir dans quelques instants. Vous verrez l'ailier gauche international Didier Six bien suivre le ballon et marquer le but de Lens, malheureusement un but qui sauve l'honneur. Voilà le tir de Leclerc, Six a suivi, 2-1, résultat final. Merci Thierry, toujours pas de résultat pour le match de boxe pour le championnat de France, je vous le donnerai donc demain midi. La météo pour demain, la matinée sera fraîche et encore localement brumeuse, mais ensuite le temps devrait être assez bien ensoleillé, il pourrait y avoir encore des orages en Corse toutefois et aussi dans le sud-est. Le printemps arrive en tout cas, les températures vont sérieusement remonter. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Je vous souhaite de très bien terminer cette soirée en compagnie de Ludmila Tchirina. Notre prochain rendez-vous avec l'information, c'est samedi et demi, diffusé demain en direct de Rome. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Bonne fin de soirée donc avec Salomé.